Bonjour, bonjour mes amis, comment nous y est? Bienvenue sur la plateforme que nous remet en pile haïtien qui tribord bâbord, haïtien qui République Dominicaine, Haïti, haïtien qui Canada, Brésil, la France, Chili, haïtien qui Argentine, Venezuela, et haïtien qui déjà prend place dans le pays Qatar pour y regarder belle équipe boule, mais qui va boire ses boules à partir de 20 là, et bien Coupe du Monde 2022. Selon toute analyse, ça c'est pour Lionel Messi. Mais je ne vais pas faire politique. Fanatique Messimier, et c'est un rendez-vous lié, parce que, ouais, pas ouais, je t'adoué Qatar, mais malheureusement, je ne vais pas aller Qatar. Même souhaiter qu'en 2028, eh ben, 2026, pardon, nous dans le pays côté Coupe du Monde pour l'organiser, pour nous capables de chauffer Haïti. Bon, c'est mon rêve. Nous disons merci au grand architecte de l'univers qui nous a accordé cette opportunité de vous rejoindre. Et merci, bon Dieu, pour ça. À toi seul, la gloire et la louange. Amen. Si toutefois, beaucoup abonnés sur la plateforme, non, ou capable de profiter de faire ça parce que c'est le moment qui est plus favorable pour devenir membre de cette grande famille, si COVID a vanille, un point. Et nous là pour nous informer, nous ne pas fatigués. Toute équipe là campée dans, toute équipe là campée raide, équipe là infatigable pour être capable de travailler en déposer ensemble avec nous pour porter information bah où, juste dans le salon la caillou, juste dans la machine, porter information bah où, dans le travail. Nous pouvons parler aujourd'hui de massacre que les autorités dominicaines ont préparé pour faire soi haïtien et bien tout type de massacre. Trujillo te fait un massacre, les tuer. L'autre fait massacre, ils ont emprisonné. Mais massacre de déportation, ça, et c'est de ça que nous pourrons parler. Nous pourrons le bail conseil à tous nos frères haïtiens vivant en République dominicaine. Documenté, indocumenté, légal, illégal, investisseur, travailleur, employé, professionnel, comédien, dans toute couche. Médecins, les psys comme moi, j'ai un message pour nous dans la vidéo ça. Restez là, pas déplacé. Nous allons observer un petit poste de retour. Nous allons entrer directement dans vidéo nous pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Nous revoici. Jodia, moi, Marie de Prim. Et moi, j'ai appris un bagage dans Taekwondo. Un type de coup de poing, et yon le sa jack poing, et yon fait jack poing comme ça, pao, jack poing, li kentos yo al pran moun nan directement. Mais, ne yon gen l'autre coup de poing qui rele yoken, yoken nan, c'est ou fait comme ça, ou barre, mais ou mon pran coup de poing, ou virel. Je dis, ma fou classe karaté. Mais yon coup de poing qui rele reperkit, reperkit là, ou pran l'en bas, mais ou barre, ou pran moun nan la sa, pao. Tu vois, simple faut barrer. Pau. Tu vois, au campé ou à goumen, pau. Il y a des blocages tout, mon ton maquis, tu vois, faut apprendre à faire, parce que... ok. Pour qui raison marrer deux primes, je dis à moi le goumen, parce que bref, on goumen. Et moi, je prends une décision pour mon travail dans la communauté haïtienne, ou pour l'émancipation de la communauté haïtienne vivant en République dominicaine, et pourquoi pas dans la diaspora des autres pays. La France, les États-Unis, Canada, entre autres, Chili, Brésil, Mexique, etc. Moi, j'ai une plateforme espagnole, pas de quelle nation qui attaque Msouli. C'est seulement Dominicain qui a attaqué parce que c'est eux qui parlent tant de vérité. Mexicain, d'accord avec moi, l'aime faire une analyse de la politique internationale, au moins faire une analyse de la politique dominicaine et d'autres, tout le monde d'accord avec moi. Mexique d'accord, Argentin d'accord, parce que je suis un peu le monde tout, je suis un États-Unis qui tendait mieux d'accord. Mais Dominique n'est pas d'accord. Et comme je travaille dans une communauté qui est sensible, je ne peux pas dire, I don't care, or it doesn't matter. Je ne peux pas dire ça. En espagnol, je dis, que m'importe. Je ne peux pas dire ça. Oui, cela m'importe. Massacre que l'immigration a préparé pour faire avec militaires, je vais montrer nous qui ça fait le massacre. Bon Dieu, bon Dieu, capacité pour anticiper à chaque fois qu'il y a un bagage qui pourrait le passer. Ça, son capacité liée. Mais qui ça fait le massacre? C'est l'immigration qui est là pour
régler les affaires illégales aux citoyens d'outre-mer qui entrent dans le pays. La police en dans un pays, il est là pour pacifier le pays hein, entre les citoyens, par exemple, pour mettre, pour protéger les citoyens yo, dans la paix, dans la justice, avec fierté, pour protéger et pour servir la société. Militaire yo là pour défendre la souveraineté nationale. Militaire yo là aussi pour participer au grand désastre. Yo là pour défendre la souveraineté nationale. Et ça m'a dit nous là, son bagay qui à haut niveau. Le ou mette militaire de yo, qu'est-ce que ça veut dire? Pays en danger, patria en danger. Est-ce que la présence des Haïtiens capable de rendre Saint-Domingue en danger? Non, au contraire. La présence des Haïtiens qui ça le fait, lui aider Saint-Domingue dans l'économie pour le capable monter plus. Il y a un économiste dominicain qui a parlé, il dit c'est pour la première fois dans l'histoire que l'économie Saint-Domingue vivait dans le niveau ça, le Haïti en crise. La crise haïtienne est-elle une défaite pour la République dominicaine? Non. Au contraire, la crise haïtienne est un gain. La crise haïtienne est une réussite parfaite pour, je dirais, la communauté, pour la République dominicaine. Écoutez, mes chers amis, si nous ne parlons pas, qui est-ce qui va le parler pour nous? Maintenant, on va entrer dans un message salutaire pour tous les Haïtiens, message à la nation haïtienne vivant en République dominicaine. Demain, si Dieu veut, qui c'est 14 novembre, autorité dominicaine, vous fait qu'on est au commencer à marcher pour un haïtien. M'a demandé, premièrement, tout peuple haïtien, écoutez, m'a demandé, premièrement, peuple haïtien qui vit en République dominicaine, qui illégal, pas sorti demain, si Dieu veut. Rete dans le quartier la caillou, prends un congé en semaine, bien prend un congé 3 jours, comme moi t'ai parlé de grève d'absence déjà, et ça vous reprend, et prend un petit congé la caillou, pas sorti dans la rue. Et nous allons faire immigration, faire crabe. Écoutez, tout le monde qui attendait là, ouais vidéo ça, et c'est ça que fait, moi préparer dans la première partie de la journée. Dans la première partie, et moment n'a pas là, moment n'a pas là. Moment ça n'a pas les là. Il fait 7 heures du matin. Il fait 7 heures du matin et n'a parlé, pas sorti de yo. La caille. Ça c'est message pour monde qui est légal. Message pour monde qui est légal. Leur autorité a campé ou pas fait tête avec elle. Pas al djougué document. Si vous avez un bon pantalon, pas fait raid. Si vous coltez ou pas fait raid. Parce que nous vivons un moment très sensible. Et ça m'a dit nous là, c'est vrai, c'est un moment qui est très sensible. Si vous allez faire raid ensemble avec vous, il y a pas entré en bas coup de poing, il y a pas entré en bas coup de cause physique. Et vous avez même un plan pour tuer vous. C'est ça qui fait les massacres. Sur l'autre forme. Pour qui ça va pas vouloir même? Yo pas vouloir même, c'est parce que bon Dieu m'a mis en capacité pour moi anticiper tout ça qui est arrivé. Son capacité liée et Mbaniel, Dieu m'a donné cette capacité d'anticiper, d'anticipation. Mon qui illégal yo pas sorti à partir de demain si Dieu veut, rentre dans zone la caillou. Et si on sorti dans taxi pour yo pas wew et puis mon qui illégal yo met colté ou pas dit rien. Yo kembo men document, yo mando document men li. Yo ti pral avon nan base vacationnel la, an ale. Lo rive nan base vacationnel la, pe bagay yo pral fè, yo pral évaluer yo. Et puis finalement, yo pral meto nan position et pour capable bien entendu garder est-ce que légal. Et à partir de ce moment, si ou légal y a vous tourner sous pas légal, même le vous aller tout légal, pas di rien. Lo rive nan frontière la, payer, rechecker sous pas gen kòb. Fais mon nouveau copain et puis retourne.
pas fait tête avec militaire yo, parce que militaire yo c'est criminel, yo pas la police, yo pas apprendre rien dans moun. Militaire c'est moun li apprendre tirer. Apprendre ça bien. Militaire pas dans rien avant, militaire c'est moun li apprendre tirer. Bon entendeur, salut. Illégal pas sorti, moun qui légal, pas fait raid, pas fait tête avec autorité yo, quitte yo. Méchant fouille tout, c'est eux-mêmes qui pourraient tomber là-dedans. L'Éternel combattra pour vous et vous devez garder le silence. Bonjour, à bon entendeur, salut, bye bye.